Qu'on revienne à des choses terre à terre, qu'on discute de comment la religion, est-ce que nous voulons qu'elle gère nos vies ou est-ce que nous voulons que nous soyons libres ? Islamistes. Il n'y a que des hommes. Hein. Pour la première fois de ma vie, on m'assigne un policier sur mon tournage. Pourtant, pour obtenir les autorisations, je n'ai pas révélé le vrai sujet de mon film, ni son titre. Mais sous Ben Ali, surveillance et méfiance sont de rigueur. Quoi de plus, je veux filmer ma société, ses paradoxes et ses contradictions pour lesquelles je n'ai plus d'indulgence. Filmer la résistance invisible de ceux qui, comme moi, tentent de vivre en dehors d'une religion imposée. C'est parce que le peuple, déjà, il est contre, quoi. Il est contre un gouvernement islamiste, mais pas musulman. On est musulman. Mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont athées? Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont chrétiens? Laisser de la place pour qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont juifs? Non. Qu'est-ce qu'on fait des bouddhistes? Voilà, tiens, citronnade, tiens, citronnade. Hadar bech. Moi, il me semble que l'enjeu majeur des élections va être quel projet de société nous avons pour la Tunisie. Et je pense que ça va être un enjeu extraordinaire dans les partis politiques progressistes qui se disent progressistes aujourd'hui, de dire que nous voulons une société où la religion sera séparée de l'État. Coupé ou le machèque le coup.